Donc on va attaquer le 10e combat de la soirée qui va opposer Benjamin Brinza contre Cheikh Oney. Dans la catégorie des 84 kilos. Donc on attend l'entrée des combattants. Je pense que c'est Benjamin Brinza qui va faire son entrée en premier. Donc un petit rappel des différents sponsors de la soirée. Me too, me too. Remember, guys, from Bike Club, you're representing us tonight. So if you see blood, sweat, you can't cry. You gotta be strong tonight. All right, where are the fighters now? There we go, that's what I was waiting for. All right, give us the music, the fighters are on the way. Donc, d'après la musique, je pense que c'est l'entrée de Benjamin Brinza. C'est pas du Cheikh Oney pour moi. Donc, comme je vous le disais, Benjamin Brinza, donc avec un palmarès de 14 victoires, 2 défaites, 84 kilos, 1m85, il a 25 ans, il nous vient d'Allemagne, la Familia Fight Club et le style MMA. Donc c'est un combattant qui était promis apparemment à l'UFC, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure précédemment, suite à différents problèmes qui ne sont pas appréciés par les combattants et par le public, il n'a pas pu y accéder. Donc il semblerait que ce soit un bon combattant. La Familia Fight Club, un club que je ne connais pas personnellement. Donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur ce combattant et son entourage, malheureusement. Maintenant, voilà, je sais que les Allemands restent très très forts en Europe en MMA. Donc avec un palmarès de 14-2, bah, je veux dire, les palmarès parlent beaucoup. Ouais, c'est une bonne série de victoires, je pense. Hein. 14 victoires. Avec un palmarès de 11 victoires pour 3 défaites, 84 kilos, 1m87, il a 30 ans, il nous vient de la France, bien sûr, comme je l'ai dit précédemment. C'est un combattant de la Hatch Academy, avec un style Muay Thai. Donc la Hatch Academy, Hatch, comme tout le monde le sait en France, c'est notre Dana White français. C'est le plus gros organisateur de combats de pancras et de galas sur le territoire français. Qui a donné sa chance à beaucoup de Français et qui a une bonne team puisqu'ils avaient remporté la Supreme League, si je dis pas de bêtises. Non, exactement, je rappelle, j'avais suivi ça et ils avaient gagné. Ouais. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les supporters de Cheikh qui ont été affrétés par la ville de Sevran, qui a mis à disposition deux minibus pour les faire venir supporter leurs combattants qui représentent sa ville. Bon, Cheikh un combattant très dangereux, qui a de très bons genoux, très puissant. Ouais, Cheikh, un combattant que j'affectionne tout particulièrement. Je l'avais vu combattre au Belgium Big Down en 2012. Où il avait été en demi-finale pour la ceinture des moins de 93 kilos à ce moment-là. Donc il est descendu d'une catégorie. Et déjà là, il était très impressionnant et c'était il y a déjà 12 ans. Donc son palmarès parle de lui-même. Hein. L'évolution est là.
Et je l'ai vu sur les circuits français et international, bah, il reste très très actif et très compétent. Et dans son coin, comme on peut le voir, Arnaud Templier, comme j'ai dit tout à l'heure, et une personne que beaucoup de gens connaissent, Jean-Louis Alberche, donc un des pionniers du MMA et du pied-point, qui a notamment combattu à l'époque Hayato Sakurai dans ses débuts. C'était les Golden Glory, il me semble, ou les Golden Belt, je ne sais plus ce que c'était. C'était des combats de pied-point avec des amenés au sol. Sauf qu'ils n'avaient pas le droit aux frappes au sol. C'était une espèce de pancras. Comme le shoot fighting. Mais et Jean-Louis a combattu en MMA, avait pris des ceintures, si je ne dis pas de bêtises, à l'époque. Et le MMA n'était pas encore développé, connu en France. Donc c'est vraiment un des pionniers. Il a été aussi coach à la Hatch Academy. Et c'est un striker très dangereux. Bon, quand même, je connais très affûté. Ouais, 84 kilos, il est. Je crois que même si on est en Suisse, Tchèque a l'impression d'être à domicile. Derrière nous, tous les supporters parisiens. Ah, ces supporters le suivent partout, hein, dans tous les galas. Tchèque qui a l'air très concentré sur ce combat. Bah, je pense que c'est un combat assez important pour lui. S'il gagne contre une personne qui devait aller à l'UFC, ça risque de le propulser quand même un petit peu haut aussi, je pense. C'est clair qu'il y a des combats qu'il ne faut pas perdre et je pense vraiment que celui-là, Cheikh ne doit pas le perdre. Avec notre arbitre national et aujourd'hui international, Ahmed Korchi. Et c'est parti, combattant dans leur coin. Allez, France contre Allemagne pour ce 10e combat de la soirée. C'est parti. Tchèque qui fait son premier combat au SHC. Et directement un low kick très lourd. Qui reste en stand-up. Oula, un uppercut manqué. Il a cherché et l'amener au sol, mais Cheikh qui se relève très bien. Genou qui a touché, il me semble. Benjamin. Deuxième sprawl de Cheikh qui touche avec un genou. Genou magnifique. Et Benjamin qui donne le dos directement. Cheikh qui va finir par gagner par KO ou arrêt de l'arbitre. S'il continue, arrêt de l'arbitre, victoire de Cheikh. Victoire de Cheikh au départ, des KO. Victoire. Victoire. Explosif, tout comme Malicilla juste avant. Très rapide. Je dis, peu de chance à Benjamin pour s'en sortir. D'ailleurs, Benjamin qui demande un peu pourquoi il l'a arrêté, mais le genou était clair et il était clairement touché. Il y avait très peu de défense de sa part. Ouais. Très peu de défense. Il était sur les genoux et malheureusement, à ce moment-là, si on ne se défend pas, l'arbitre arrête automatiquement le combat. Donc victoire contestée de Benjamin, mais comme on l'a un peu tous vu. J'ai l'impression que Benjamin est encore même un petit peu vacillant. Les combattants ont du mal à accepter qu'on les arrête. C'est toujours très dur, on dit toujours qu'on avait une chance. Mais... Ouais, et c'est un travail très dur pour les arbitres aussi, de savoir à quel moment arrêter les combats. Ou trop tôt ou trop tard. L'important, c'est quand même l'intégrité physique du combattant. Et là, les deux genoux quand même avaient touché. Exactement, il a été touché par deux genoux. On l'a vu vaciller, tomber. Petite série de ground and punch, c'était vraiment assez. Yeah.
Chuck Liddell explique clairement pourquoi il est venu. C'est la ceinture qui l'intéresse et rien d'autre. Ouais, il veut. Je connais pas le détenteur de la ceinture des 84 kilos. Il me semble que c'était pas Norman Parisi qui détenait la ceinture c'était des 84 kilos, Norman. Bah oui, contre Boubacar Baldé. Il me semble que c'est l'actuel détenteur de la ceinture. Oui, c'est Norman qui a la ceinture.